l'éducateur général nous l'a dit hier. Les anciens combattants méritent de meilleurs services. Nous avons tous été touchés par l'histoire de Jennifer Mignot qu'elle nous a racontée. Il n'est pas normal qu'il n'ait pas de support financier pour les gens comme elle qui doivent quitter leur emploi pour appuyer leur conjoint. Le premier ministre va-t-il enfin s'engager à aider nos anciens combattants, surtout ceux qui font face à des problèmes de santé mentale?